puis salut tout le monde, c'est Speedy des Sourds. Désolé encore hein, pour. Juste mettre. Ok, c'est beau. Oups, désolé. Alors voilà. Ah oui, il fallait sauter. Ouais, il fallait faire ça. Oups, désolé. Et voilà, eux qui vous tirent des petites bombes. Désolé, voilà, j'ai dû faire une petite pause parce que. Voilà, moi je pensais qu'il fallait sauter en autant, mais non, il fallait juste faire ça pour recevoir. Et puis vous voyez à l'arrière qu'il y a un qui part. Et le deuxième reste très longtemps. Ah ben non, c'est après ça. Voilà, il faut savoir quand ils passent exactement pour leur tirer dessus. Et j'adorais cette musique, vraiment, je l'adorais. Vous voyez, celui-là, lui, il restait à l'arrière. C'est-à-dire qu'il va venir derrière moi pour me tirer dessus. Voilà, il fallait savoir ça. Et moi, je prenais toujours un coup, je disais, mais comment il fait pour savoir que je... Là, je galérais. Alors voilà, j'aimais vraiment cette musique, juste vous laisser écouter. Ah là, j'ai pris un coup. Alors voilà, j'aimais vraiment cette musique là. J'étais like, yes, encore ce stade là parce que j'ai une bonne musique. Et vachement, le boss était assez facile. Ce boss là. Ah, ce boss là. Voilà, là, on va me tirer dessus. Ah, c'est ça qu'on faisait ça. Là, je te like, mais attends, mais comment il fait pour essayer une shuriken lui? Tiens. Et puis j'adorais quand ils faisaient ça, genre montrer le skateboard en dessous. Et là, ici, comme je les appelais les danoises. Demandez-moi pas pourquoi je les appelais les danoises, mais je les appelais comme ça. Ah, je sais pas, je pense que c'était pour... Je sais pas pourquoi, je sais pas vraiment, je peux pas vous le dire. Je pense que c'est à cause des... J'espère que vous allez voir après. Je pense que c'est des hommes oiseaux, quelque chose comme ça, mais... Je sais pas pourquoi je les appelais comme ça, aucune idée. Ah là. Ouais, j'étais vraiment con dans, quand j'étais jeune. Mais qui l'était pas de toute façon? Je sais qu'il va y avoir un autre. Oups. Ah là. J'adorais vraiment cette musique là, c'est la deuxième que j'adorais. À moi. Oh là. Et je trouvais ça con comme mec s'en est c'est pas nager. Attends, mais c'est une blague ou quoi? Oups, désolé. Je l'ai pas traité. Et puis là, attendez. Je sais pas pourquoi j'appelais ça les danoises. Ça, juste vous montrer. J'espère qu'ils sont là. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi je les appelais les danoises, ces gars-là. Bah, je sais pas. Okay, je peux pas vous le dire. Même moi, je peux pas vous le dire. Je sais pas parce que je pense qu'ils volaient. Puis ils arrêtaient pas de me faire chier à chaque fois que j'essayais de monter quelque part. Et puis voilà. Ici, j'arrivais pas comme. J'arrivais pas à comprendre comment je pouvais arriver ici. Mais. Juste avec un peu de logique. Voilà, c'est des jeux très jeunes quand j'étais très jeune, hein. Là j'étais like, ah, là j'étais like, je pensais que j'allais mourir, mais ils arrivaient en dessous. Oh, ok, ici il y a une bombe, oui. Il est où là? Mais attends, viens ici toi. Oh là. Puis moi j'étais comme ça, essayer de les tuer, puis là j'étais genre, j'étais like, ah ben je l'ai raté, puis là je fais juste, je like, ah. J'adore vraiment. Tiens, toi meurs toi.
Puis là, je suis arrivé ici, quand je me rappelle comme si c'était hier, vraiment, je vous mens pas. Je suis like, ici, puis là, je suis like, mais comment je fais pour faire ça? Puis là, like, puis là, fallait juste faire ça, genre. Donc ça, j'arrivais à comprendre, puis là, je suis like, c'est juste ça, fallait juste faire ça. Puis moi, je galérais, je savais même pas qu'ici, je savais pas qu'ici, qu'on pouvait descendre. Je le savais vraiment pas. Et là, puis là, ici, je galère. Ici, j'arrivais, puis là, j'étais like, oh, puis là, j'étais like, ok, là, ben là, c'est sûr que j'arrivais pas à le faire un coup. Mais voilà, vraiment. Ah, ici, ici, j'arrivais vraiment. Parce qu'à chaque fois que vous preniez un coup, vous pouvez tomber dans l'eau. Puis là, j'arrivais, puis là, je mourrais, puis là, j'étais like, oh, allez. Puis là, j'essaie vraiment de faire un double saut ici pour. Ça, c'est beau. Ok, ça, je comprends pourquoi j'ai pas pris de coup, mais moi, je me plains pas, hein. Pourquoi se plaindre? Ok. Hop. Là, je me disais, essayer avec cette boîte-là, je vais même pas essayer. Ah oui, ce gars-là. Ici, il ne faut pas que je descende parce qu'il y a un piège. Hein. Et voilà, hein, quand vous tombez directement. Et puis moi, j'arrivais, puis là, je me disais, oh, ben, là, vraiment, je galérais pour monter ici, mais. J'adorais vraiment, j'adorais, c'est la deuxième musique. Oh, ce boss là. Oh, lui, je l'aimais pas. Ouais, c'est sûr que vous le battiez pas comme ça. Moi, je le battais pas comme ça parce que je savais même pas c'était quoi, à quoi servait la foudre. En plus, j'avais une Sega 6 boutons, je crois, j'avais une manette de 6 boutons. J'étais like, wow. Là, j'ai essayé les autres boutons, mais ça faisait rien. Ouais, c'est sûr que je le battais pas comme ça, lui, hein. Puis là, tiens. Ah, là, je prenais toujours un coup. Là, ça dérange pas. Là, je le spammais comme ça, quand je m'en rappelais, je le spammais comme ceci. Mais attends. Ah, vachement, j'étais vraiment content de voir une cinématique comme ça, j'étais vraiment content. Et puis là, ici, j'arrivais à le faire, là, c'était pas trop dur, mais... Là j'étais like, oh ça c'est... Là j'arrivais, je prenais ça puis je me disais, mais c'était quoi ça? Puis là après je prenais une première... Là j'ai pris un coup, je me disais, ok, il fallait que je les esquive. À chaque fois que j'arrivais, je sautais quelque part comme ceci. Je sautais à chaque fois. Vachement, c'est vraiment un ancien jeu, je m'en rappelais même plus du nom, vraiment, sans vous mentir. Si j'avais connu le nom de ce jeu-là quand j'étais jeune, c'est sûr que je l'aurais essayé sur émulateur depuis des années. Ça prend juste un peu, ça prenait juste un peu d'attention et de savoir comment bouger, mais moi quand j'étais jeune je pense pas que j'avais de patience. Je me rappelle encore, oh là. Je me rappelle encore quand j'étais jeune, je sais que j'avais un jeu de Mario, mais je me rappelais plus vraiment du nom. Il faut que je me rappelle du nom. C'était sur Super Nintendo, je crois. J'avais la Super Nintendo, j'avais la Nintendo 64. C'est un jeu de Mario. Voilà, j'arrivais quelque part, et puis là, je pétais la manette. Je le lançais à terre parce que je comprenais pas comment faire. Puis là, ma grande soeur arrivait, elle me montrait comment faire pour sauter parce qu'il y avait un mur. Puis là, j'essayais les boutons pour, ça, j'avais quoi, 5-6 ans. Et j'arrivais à un mur, puis là, je savais pas comment sauter. Puis là, après, je lançais la manette parce que j'arrivais pas à le faire. Puis ma soeur arrive, elle me montre comment faire. Et puis elle me dit, bon voilà, c'est comme ça que tu fais. Puis là après moi, je continue de jouer. Puis à un autre mur, je lance la mallette encore. C'est like, hey. C'est like, vraiment c'est des... Ben c'est ça qu'on m'a raconté, je m'appelle plus vraiment. Lui je l'aimais pas. Alors voilà, je m'appelle vraiment pas du nom du jeu, je m'appelle même plus... c'est quoi le jeu, alors je peux pas vous dire... Mais là, lâche-moi toi. Des fois il voulait même pas lancer les shurikens comme moi je voulais. Voilà, j'appuie, puis là des fois il veut même pas le faire. Ah là, ça je l'ai pas vu. Oh. Bah, mais attends, mais y'a personne qui a pris le coup. Waouh.
Ah, lui. Hop là. Allez, allez, Mario, 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 ah, lol. Waouh. J'ai pas envie de mourir, ce gars-là. Ouais, j'ai quand même perdu un peu de vie, mais ça dérange pas parce que j'ai 8 vies, alors bon. Bienvenue dans la misère. Ah, lol, j'en peux plus. Ah ouais, ça fait les... Une chose qui donnait beaucoup de vie. Mais en mode expert, vous avez la moitié de la barre de vie, alors. Ah, ce boss-là était pas très dur, je me rappelle encore. Tu sais qu'il y avait un boss où ce que j'arrivais pas à passer, je vais vous le montrer. Parce qu'ici il y a 3 stages, je crois. Puis là, hop, on va juste aller chercher. Hop, oublie ça, dans ma jeunesse, je faisais même pas ça, j'étais là, m'en vais au go. Et en plus, j'avais même pas autant de vie que maintenant. Ah, j'avais pas dû être. Ok, c'est beau. Là, j'essaie de monter. Ok, ici, comprenez. Ici, vous voyez, j'arrive pas à le faire, ok. Ici, j'arrive pas à le faire. Ok, ici, j'arrive à le faire. Pourquoi là, j'arrive à le faire alors qu'il y a même pas un mètre de différence. Il y a même pas un centimètre de différence. Et puis hop. Ça, c'était beau. J'arrivais ici. Ok, ici, il n'y avait rien. Ah, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que moi j'avais reçu. Ah, là. Ok, c'est pas très grave. Je sais qu'il y a un mec qui va me tirer dessus. Là, je te like. C'est beau. Là, il faut juste pas exploser le pont. Lâche-moi. Ça ouais, parce qu'après il faut que vous descendez, mais faites pas là, je like haha, c'est like dans ma tête, mais c'était bien ça. Et là, je voulais pas tomber parce que si vous explosez la boîte, ben vous explosez tout le compartiment en bas. Des fois, il faut que vous connaissez le jeu parce que il faut le connaître, il faut savoir par où aller exactement parce que sinon vous restez bloqué ici pendant des heures et puis vous êtes pas. Là j'attendais, puis là je me suis dit ok. Ici je galérais pas trop vraiment, c'est pas là où ce que je galérais. Oh, j'ai pas envie de sauter. Ah ok, fume. Oh lol, oh lol. Oh lol, oh lol. Ah oh, c'est vraiment eu chaud là. Ah bah là j'ai pas besoin vraiment de. Ouais, je pense qu'il y a de la vie en dessous, je plappais pas vraiment. Et puis il y avait un seul endroit, mais un seul endroit où ce que je galérais ici, puis je comprenais pas, puis là je l'ai. Mais comment ça se fait que c'est possible? Je vais vous montrer. Certaines personnes ont réussi à le faire. Ils arrivent, ils montent sur cette boîte là puis ils tirent. Mais là j'arrive pas à le faire parce que... Oh lol. Ok, j'ai pas envie de me perdre là. Non, il faut lancer un shuriken ici. Un pixel près. Mais vraiment un pixel près. Alors moi j'ai juste envie de changer. Je vais vous montrer celui là. Ici vous perdez une vie mais vous explosez partout tout autour de vous. Voilà, juste vous montrer. Alors voilà, vous perdez une vie, ben vous revenez, vous perdez une vie, mais vous arrivez à tout exploser. Alors voilà, j'arrivais pas à comprendre comment j'arrivais à le faire, mais je perdais presque toute ma vie ici. Alors voilà, c'est le boss. Ah non, c'est pas le boss, c'est pas après, désolé. Ah oui, il faut que je monte par là d'abord, oui c'est vrai. Ça c'est beau.
C'est like non. Ah lol. Là, ici je galérais, je like. Là, je sautais sur le rebord d'en haut, même pas sur le rebord ici. Ah ouais. Mais lâche-moi, lol! Mais attends, mais lol! Non! Ok, si, ben merci. Le pire, c'est qu'on même pas descendre sur de la plateforme. C'est la cage. Ouais, il sait quelque chose. Oh. 5 shurikens, c'est pas la mer à boire. Ah, ici je galérais pas trop, un peu, mais. Ok. Ici il faut arriver, vous sautez, vous ressautez. Puis il fallait pas rater vos doubles sauts parce que vous êtes. Ah, ici j'avais un power, oui, c'est vrai. Là, ici, vous pouvez dire, mais attends, mais là, j'arrive ici, puis là, je t'ai. Ah, mais comment on fait pour passer là, puis là, j'arrive ici, puis là, je t'ai. Oh, ok. Mais pas interlocuteur. Ok, fio, je l'ai. Et puis voilà, le boss. Bouf. 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 Et puis voilà, là, la meilleure technique pour ça, c'est de courir et de sauter. Ça fait le plus de dégâts possible. Moi, je faisais de l'ange, moi je lançais des shurikens, mais c'est pas trop efficace, hein. Et puis j'ai pas envie de perdre de vie. Bien. Bien. Là, il faut juste contrôler. Bah voilà, c'était pas quand même si difficile, mais dans mon temps, ben j'étais pas si fort que ça. J'étais like, oh, mais comment je fais? Puis là, je lançais des shurikens juste pour réussir. Oh, c'est ici que je galérais. Le double saut ici, mais c'était pas possible de le faire. Des fois, le double saut, il veut pas le faire. Des fois, t'appuies vraiment sur le bouton, mais il veut pas. T'es like, oh là, j'ai pas vu. T'es like, t'écrases le bouton. Vraiment, j'écrasais le bouton pour arriver à sauter. Puis des fois ça le faisait, des fois ça le faisait pas. Et j'espère qu'ici ça va le faire, hein, parce que sinon on est bien mal barré. Ah, pas eux. Hey, hey, ils me faisaient toujours tomber parce que je les aimais pas. Tiens. De toute façon, le boss ici est pas très fort, alors juste utiliser ça. Mais deux fois les doubles sauts, oh mon dieu, les doubles sauts ici, oh mon dieu. J'haïssais le double saut ici. Parce que des fois le double saut il prenait même pas. C'est like, yaaap, là je... Mais des fois il fallait savoir, des fois il fallait savoir. Vachement, des fois il fallait savoir que l'ennemi sortait par là. Voilà, vous voyez, faut savoir. Voilà, c'est pour ça que j'utilise la foudre pour me protéger. Ah, vous voyez? Des fois, il veut pas. Des fois, ça lui tente pas de faire un double saut, hein. Des fois, il se dit, bon, je vais prendre une petite pause, hein, des doubles sauts. Et je peux pas rater ce double saut. Ok. Et moi, j'étais juste vraiment content quand j'arrivais en haut, parce que les doubles sauts, vraiment, je vous l'ai dit, ça me tuait. Et puis là, j'étais like, ah, oh, oh, oh. Vous entendez mon quand j'écrase le bouton? Vous pouvez vraiment l'entendre. Des fois, je ratais le double saut, puis j'étais like, oh, là, j'étais like, vraiment, ah, non, oh, vraiment, j'ai eu de la chance, là, je peux pas vous dire comment j'ai eu de la chance. Vous voyez? Ok, ça, c'était bon. Là, le boss, ici,
comprenais pas pourquoi je galérais. Tout ce qu'il fallait faire, c'est ça. Non, il fallait avoir le power-up, mais moi, je l'ai pas, là. Il prenait vraiment avec le power-up, le boost, ben vous le frappez deux fois, il faisait sa petite animation. Voilà pourquoi j'aimais pas ça. Il me donnait un coup, puis je tombais dans le trou. Voilà. Ici, j'arrivais pas vraiment là. Une fois, je le ratais, mais... Voilà, il reste plus qu'un coup. Et je pense que je vais le finir en perdant une vie, mais pour être sûr, je vais pas perdre de vie. Et voilà, il est mort. Des fois, je galérais avec ce boss-là parce qu'il n'arrêtait pas de me faire tomber. Mais vraiment, je perdais le maximum de vie avec le double saut parce que vraiment, des fois, je perdais pour des conneries. Ici, j'arrivais, mais oubliez-moi, là, j'étais comme... Pourquoi il y a plusieurs rings, puis je comprenais pas pourquoi, j'étais vraiment perdu, je suis jamais arrivé à ce boss là. Parce que voilà pourquoi j'ai jamais vu la fin de ce jeu là. J'étais là, mais pourquoi il y a plusieurs entrées, puis je reviens toujours là, puis là j'étais, mais il y a un bug quelque part, mais non c'est pas un bug. Alors voilà, prochaine vidéo tout le monde, on va finir ce jeu là, hein, j'espère. Et puis voilà, c'est ces gars là que j'haïssais parce qu'il n'était pas de me faire tomber. Alors voilà, moi je trouve pour une prochaine vidéo tout le monde. Sans oublier que tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur mon nom pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.